Et bonjour à tous et à toutes les amis. Salut. On espère que vous allez bien. Oui, alors aujourd'hui, on voulait parler de Nos petites erreurs. petites. Petites. Attention, hein. Nous, on a un petit peu tout essayé avec l'alimentation et je pense que c'est vraiment en faisant des erreurs qu'on apprend le plus. C'est ça. Il y en a qui ont essayé, hein. Ils ont Et eu des problèmes, exactement. Et je hein. pense que si on ne fait pas d'erreurs, et ben on n'apprend pas les choses. Voilà. Les meilleurs coachs en sport, c'est ceux qui ont fait plein d'erreurs et qui vont pouvoir vous dire, ah non, fais pas comme ça parce Parce que que là, tu vas se passer ça et ça. Et vous si allez tu fais gagner ça, du temps, quoi. Donc c'est cool en nous suivant, vous allez pouvoir gagner plein de temps, éviter de faire plein d'erreurs. Après, si vous voulez les faire pour essayer et pour Ouais. voir ce que ça fait, bah Parce allez. que nous, il y a plein de personnes qui sont venues nous voir et qui nous ont dit, Ouh là là, fais pas ça, tu vas droit dans le mur. Et on On l'a l'a fait fait quand quand même, parce qu'on même. voulait expérimenter Essayez. ça. Et après, on est revenu vers ces personnes et on leur a dit, C'est vrai, t'avais T'avais raison. raison. Et peut-être que vous reviendrez vers nous d'ici quelques années, vous nous direz, Ouh là là, les Raymond! Et il y a plein de personnes qui nous disent ça. Bref, on va attaquer la première erreur. Donc on va Toute faire. première erreur, mais qu'on a fait tous les deux, On a hein. fait tous les deux. En fait, on va faire les choses Ouais, chronologiquement. chronologiquement. Donc, moi, ma première erreur, c'était de manger trop industriel. Je n'avais aucune notion d'alimentation. Donc, j'allais à Carrefour et je Erreur. m'achetais des gros paquets. Je prenais les top budgets, les trucs les moins chers. Et je me nourrissais comme ça. Je prenais les gros paquets de céréales Kellogg's le matin. C'était super, McDo, kebab et compagnie. Et puis, moi, mon gros problème que je peux allier à ça, c'était ma consommation d'alcool le week-end qui m'a vraiment fait mal et qui a vraiment fait mal à mon capital santé. Ouais, bah moi un petit peu Pareil sans pareil, l'alcool. pareil sans l'alcool, mais j'ai jamais bu d'alcool. Ouais. Par contre, moi c'est vrai que je tombais plutôt dans les paquets de gâteaux, les céréales du matin, le lait, tout ce qui était hyper transformé. Et c'est vrai que moi, mon alimentation tournait énormément autour des glucides. Quand j'étais jeune, quand j'étais petite, quand j'étais ado. Voilà, et ça m'a suivi pendant un petit peu une très longue période, ce qui m'a forcément donné énormément de désagréments. Et j'éternuais tous les jours, j'avais des problèmes ORL sans arrêt, enfin je mangeais énormément, énormément de céréales. Donc du pain, des céréales du matin, des gâteaux, des pâtes. Voilà, mon alimentation, elle était quasiment basée que sur du produit céréalier. J'avais très peu de. Si je mangeais quand même de la viande et des choses comme ça. Mais c'est vrai qu'on va dire que, allez, je devais être à 70% de glucides dans mon alimentation. Alors que j'ai un tempérament en fait qui tolère très très mal les glucides. Mais bon, ça, on ne sait pas. Hein, Ouais, on t'étais mange. à 100 000 de penser à tout ça, quoi. Voilà, à ce moment-là. On va voir tous les médecins du monde et puis on se dit pourquoi j'ai des angines à répétition, pourquoi j'ai des rhumes tout le temps, pourquoi j'ai de l'acné partout, pourquoi j'éternue comme une tarée, pourquoi j'ai le système ORL qui est encombré, pourquoi j'ai les amygdales qui sont comme ça, pourquoi je gonfle comme une noix. Donc voilà, c'était toutes des questions que moi je me posais à l'époque et ça, bon, j'en parle énormément dans mes vidéos. Donc moi, ma première erreur, mais bon, je le savais pas, c'était de manger hyper industriel et beaucoup trop de glucides et beaucoup trop de céréales. Voilà. Moi, je pourrais juste rajouter dans cette erreur par rapport au côté transformé industriel, c'était les compléments alimentaires. C'est vrai que j'en prenais quand même pas mal, tout ce qui est whey protéine, je prenais 2-3 shakers par jour pendant 4-5 ans, j'ai fait ça. C'est vrai qu'au niveau de ma sphère digestive, c'est pas génial quand même, hein. Ça allait Voilà, pas trop, hein. ça allait pas. Donc ça, voilà, la caséine, la whey, les gainers, voilà, moyen pour moi. Ensuite, on a eu cette prise de conscience, tous les deux, on ne se connaissait pas, bien sûr, et on est allé vers l'alimentation crue. Donc voilà, grosse détox pour nous, on a vraiment été à fond là-dedans et On on s'est a dit, allez, 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 mangé. on va manger ici, on va nettoyer tout ça, on y va, On là. a été trop dans l'extrême en fait. Voilà, ça c'était On le reconnaît. extrême, voilà, extrême. Et puis, on a vu ce côté, waouh, manger cru, mais oui, c'est ça, c'est la solution à tous mes problèmes, etc. Et puis c'est vrai qu'au début, quand on commence à manger comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On élimine tout ce qui est industriel, et qu'est-ce qu'on fait? On élimine tous les céréales. Ouais, Pour ma part, hein, j'entends. tous les aliments qui sont, oui, tout le monde, voilà. Transformé, etc. Donc moi, l'alimentation crue, je me suis jetée dedans, je me suis dit, c'est ça, c'est la solution à tous mes problèmes. Sauf que c'est vrai que quelque part, ce qui m'a un petit peu sauvée au début, c'est que j'ai mangé cru, mais que j'ai gardé les produits animaux. Donc j'ai gardé le poisson, les œufs, bon, je mangeais tout cru, hein, voilà. Bon, les œufs, je les décuire légèrement à la coque, et par contre, je mangeais mon poisson cru, voilà, je mettais beaucoup d'huile. Et pendant cette période-là, ça allait. Moi, honnêtement, ça allait. J'abusais pas trop des végétaux, donc ça allait. Et ouais, c'est vrai, donc le cru c'est super parce que, comme on le dit,
C'est top parce que avec tout ce qu'on a expliqué au début, on a un système digestif, on a les émonctoires qui sont complètement engorgés, je veux dire le corps ne sait plus donner de la tête, donc forcément on l'allège, en fait on s'est construit un corps avec tous ces éléments, donc certes ils génèrent des toxines, mais en même temps ils sont indispensables à la construction d'un corps. Donc les fondations sont là, on arrête de les amener pendant un certain temps avec l'alimentation crue, on part sur des aliments qui sont hypotoxiques, à savoir des fruits et des légumes uniquement. Waouh, je me sens trop bien, je me sens léger. Moi, je me suis senti tellement léger que j'ai été courir des ultra-marathons dans le monde entier, c'est super. Sauf qu'arrivé au bout d'un moment, on met plus de pierre, on met plus de briques, on met plus de fondation, et on se prend le mur, et on se réveille un matin, on n'arrive plus à courir, on n'arrive plus à créer du muscle. Et d'ailleurs, on a beaucoup de fonte musculaire. Donc ça, c'était notre grosse erreur, manger trop d'aliments crus, et en plus, l'alimentation crue, là où elle a un gros facteur limitant pour nous, c'est qu'elle demande beaucoup trop aussi d'énergie au système digestif. Ça aussi, c'est sur le long terme, donc voilà. Bah, la cellulose, elle s'entasse, elle s'entasse, voilà. Et à un moment donné... On est obligé de faire des jeûnes, on est obligé de faire des lavements, jeûnes... En fait, si vraiment on se met dans l'alimentation crue, il faut prendre tout ce qui va avec. Le package. On est bloqué. Voilà, on va plus aux toilettes, ou alors on va aux toilettes, mais alors c'est la cata. Et donc, voilà, moi j'ai tenu une petite longue période quand même, comme ça. Là où ça s'est vraiment dégradé, c'est la troisième erreur. La troisième erreur pour moi, ça a été d'aller dans le frugivorisme. Ouais. Et là, donc, du coup, d'arrêter forcément de manger des produits animaux et puis de compenser en fait avec énormément de sucre parce qu'il fallait bien que je trouve de l'énergie quelque part. Et donc le frugivorisme, voilà, on est parti pour 2 ans d'alimentation hyper sucrée, high carb. Moi, je suis partie là-dedans pendant 2 ans. Et c'est vrai que c'était une très, très grosse erreur. Voilà, je l'ai faite. Et puis maintenant, je sais, j'éponge encore les conséquences de ça. Hein, parce que c'était il y a plus de 2 ans et j'en ai encore des séquelles. Mais après, il faut bien prendre en considération que ça, ce sont des erreurs pour nous. Voilà. Pour nous, Céline, Pierre, ça n'a pas fonctionné pour nous. C'est nos pires erreurs. Mais peut-être que l'alimentation crue va très bien vous convenir, peut-être que l'alimentation industrielle va vous convenir, peut-être que le frugivorisme vous convient et c'est tant mieux pour nous, mais c'est juste que ça n'a pas fonctionné. Ou peut-être que ça vous convient pour une petite période, détox, on sait rien. Moi, c'est vrai que le fait de manger trop de fruits, ça m'a aussi pas réussi du tout, notamment au niveau de mon système digestif. Pareil, c'est beaucoup trop de sucre. Ouais. J'ai pas un terrain qui est favorable à tout, au sucre des fruits en tout cas, et ça m'a acidifié. Moi, contrairement à ce que certains vont dire, oui non, les fruits sont alcalinisants, pour moi, pour Pierre, avec le terrain que j'avais à l'instant T, le sucre des fruits m'a plus acidifié que fait du bien. Donc voilà, c'était une erreur de ma part. Et puis moi, mon terrain à moi, qui ne suis pas du tout tolérante, on va dire, aux glucides, à l'excès de glucides, demander à mon corps de travailler qu'avec des glucides, alors que moi j'ai plus une chaudière qui fonctionne sur du gras, et en plus j'avais éliminé complètement le gras de mon alimentation, c'était vraiment une très grosse erreur. Et donc après, pour passer à la quatrième erreur, on en est à combien? La quatrième erreur. Une des erreurs qui est imputable à toutes ces évictions, ça a été la grosse éviction d'arrêter les protéines animales. Oui. Donc aussi bien pour toi que pour moi, c'était... En fait, on se rend compte de l'indispensabilité d'une famille d'aliments que lorsqu'on la supprime. Donc c'est super, il y a plein de gens qui nous mettent en commentaire ou qui viennent nous rentrer un peu dedans en nous disant « Mais non, les protéines animales, c'est pas indispensable, moi je suis végan, moi je suis végétalien, etc. etc. » Donc depuis peu de temps et ça fonctionne, ou depuis longtemps et ça fonctionne, on n'est pas dans l'assiette des gens et après chacun et tout le monde est différent. Mais faites le test, voilà, ceux qui doutent de ça, faites un test, essayez de faire 2 ans comme on l'a fait, végétalien à 100%, sans même un œuf, sans même un produit laitier. Et là, c'est à ces moments-là qu'on se rend compte de l'indispensabilité des facteurs limitants. Et on voit sur la santé, si on est vraiment à l'écoute de son corps, qu'il y a des problèmes. Voilà. Et donc, c'est en se rendant compte de tout ça, en éliminant la protéine animale pendant 2 ans de notre alimentation, qu'on s'est dit « Ouh là là !» Et aujourd'hui, je ne pourrais pas m'en passer, quoi. Non. Je me dis « Mais jamais de la vie !» Et je ne sais même pas comment on a fait ça. Donc voilà. Ça c'était une grosse erreur pour nous. C'était une grosse erreur. Ouais, au niveau je l'ai vraiment remarqué quand j'ai... Parce que c'est vrai qu'au début j'ai arrêté la viande, j'ai gardé le poisson et les œufs pendant presque 8 ans. Hein. J'ai vécu comme ça pendant 8 ans en gardant que du poisson et des œufs et en mangeant cru au maximum. Et c'est vrai que là, ça allait, franchement, moi j'allais bien et tout.
Mais c'est vraiment quand j'ai complètement arrêté toutes les protéines animales et le gras, parce que c'est vrai qu'à cette époque-là, quand je mangeais du poisson et des œufs, je mettais beaucoup de gras, je mangeais beaucoup d'oléagineux, je mettais beaucoup d'huile, etc. Et je pense que c'est aussi grâce à ça que j'ai réussi à tenir si longtemps. Mais quand j'ai voulu vraiment aller vers le frugivorisme, manger beaucoup, beaucoup, beaucoup de sucre, c'est là où vraiment tout a chuté pour moi, mon système hormonal, mes cheveux, mes dents, enfin voilà. Mais ce qui est important aussi à comprendre, c'est que ça vient pas comme ça du jour au lendemain. C'est que c'est long, insidieux. C'est long à se mettre en place. Et puis on se dit toujours, je vais y arriver, je vais y arriver. Moi, j'entends souvent dans des vidéos comme ça, quand je les regarde, les gens, je me dis, mais mon Dieu, ça fait 5 ans que tu essayes, faut arrêter. Arrête, quoi. voilà. Pas pour toi. C'est qu'à un moment donné, le corps il dit, non non, moi je veux pas. Ouais. Ensuite, une autre erreur que moi j'ai faite aussi, c'est que quand j'ai eu ce côté où je me suis dit, bon bah là, ça va plus et je mange trop de fruits, et du coup j'avais voulu un petit peu arrêter le frugivorisme et me mettre en Rothschild 4, en Starch Solution, je me suis dit, bon voilà, je vais remettre les céréales dans mon alimentation, et j'avais compris aussi que les protéines étaient indispensables, et comme malgré tout je voulais rester végétalienne, j'ai fait l'association en fait céréales et légumineuses, et je pense que ah, là... c'est une catastrophe. Alors ça c'est pareil. Je pense que là, pour les personnes... on m'a perdu. Ah ouais, non, mais ça c'était... oh là là, pauvre Céline. C'était fini, moi je dormais toute la journée, il n'y avait plus personne, plus aucune énergie, c'était catastrophique. Ça peut être génial pour des gens, hein. Il y a beaucoup de végétariens qui conseillent ces combinaisons, mais mange des céréales, des légumineuses, tu verras, tu iras mieux. Ouais. Ça dépend des gens, on est d'accord. Si vous voulez faire un tour en montgolfière, c'est bien. pour nous les personnes, c'est vrai qu'on a un accompagnement. En général, dans 80-90% des gens, au niveau du système digestif, ça ne va pas du tout. Ça va pas du tout. Bah voilà. Moi, c'est comme pas des aliments qui sont physiologiques. J'ai été enceinte de 6 mois pendant un an, quoi. Ouais. Comme ça, le ventre, il était là, je voyais même plus mes pieds. Je me disais, c'est pas possible. Voilà, toute la journée avec un ventre comme ça. Si vous vous tournez vers ces modes alimentaires et que vous avez mal au ventre et que vous avez le ventre gonflé et que vous avez des douleurs articulaires, c'est que ça vient de là. Voilà. Ouais. Ensuite, c'est vrai qu'après tout ce cheminement, on tolérait de ce fait beaucoup moins les sucres et on est parti sur des modes alimentaires low carb, pas vraiment par choix, parce qu'on n'avait pas trop le choix, il fallait éliminer un petit peu tout ça. En fait, on supportait plus les fibres, on supportait plus les céréales, on supportait plus les légumineuses, on ne supportait plus rien et on s'est dit, bon bah en gros, on va manger que du gras et des protéines et on est parti sur du régime cétogène parce que notre corps nous a crié au secours par rapport à ça. Ouais. Ça nous a bien aidé d'un côté. Oui. Mais d'un autre côté, ça a été pas été fructueux parce que on en parle dans d'autres vidéos. Le régime cétogène c'est bien, mais ça reste un extrême. Voilà. Donc ne pas manger de glucides pendant une durée ou très peu de glucides pendant une durée trop longue, ça peut avoir aussi des conséquences sur le métabolisme. Ouais. Donc là, l'équilibre c'est la solution. On le dit souvent. On a testé. Voilà. Donc le régime cétogène, on l'a testé. On a fait une vidéo à ce sujet, donc voilà, vous pouvez aller regarder la vidéo sur le régime cétogène, on vous en parle un petit peu plus en détail pour les personnes qui ne savent pas trop ce que c'est ou qui s'y intéressent. Donc voilà, le low carb pour moi, surtout pour toi, hein, qui fonctionne quand même sur des glucides, ça a vraiment été très compliqué. Moi, ça allait à peu près, mais je sentais que voilà, j'étais pas à mon plein potentiel, que j'étais quand même fatiguée. Mais bon, par contre, c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé au niveau de mon digestif. Voilà, c'est quelque chose que je pense que j'aurais dû faire, mais sur une plus petite période. J'ai voulu le garder un petit peu trop longtemps. J'aurais dû le faire sur une petite période, parce qu'après, quand j'ai repris à manger normalement, j'ai repris beaucoup de kilos. Et ça a été très difficile, en fait, de retrouver un juste milieu, parce qu'après, le corps, quand il a manqué d'un macronutriment, il le fait payer quand même. Hein, ouais, parce que là, il me l'a fait payer quand j'ai arrêté les protéines. C'est normal, il stoppe. Eh oui, quand j'ai arrêté les protéines, il me l'a fait payer, parce que quand j'ai repris les protéines, Et après, quand j'ai arrêté les glucides, il me l'a fait payer, parce que voilà. Et bien, du coup, il a fallu trouver un juste milieu de tout ça. Heureusement qu'on l'a trouvé et que maintenant on est tranquille là-dessus, mais voilà, c'est ensuite on a fait aussi des erreurs par rapport au jeûne, voilà, et ça il faut aussi comprendre que le jeûne pour nous il a été indispensable à un moment parce que on était tellement blindés de cellulose
qu'on s'est dit, bah, on va jeûner, sauf qu'on jeûnait un petit peu trop souvent, et du coup, bah, on s'est affaibli, on s'est dévitalisé, on a perdu en vitalité, mais en même temps, on ne pouvait pas faire autrement parce qu'il n'y a plus rien qui rentrait, et trop de cellulose, trop de végétaux, trop de crus, trop de fruits et tout ça, ça a encombré notre système digestif et on n'y arrivait plus. Faut comprendre aussi que cette démarche hygiéniste et tout ça, comme disait Céline au début, faut partir avec tout le package quoi. C'est-à-dire que ok, je vais manger des fruits, des légumes, mais je vais accepter de faire des jeûnes, mais je vais accepter de faire des lavements, etc., etc. Moi, j'ai jamais eu de problème à l'époque au niveau du digestif, au point de vouloir me faire des lavements ou de faire des purges. Juste à partir du moment où je me suis lancé dans le crudivorisme et à suivre les conseils des hygiénistes et tout ça et à me documenter là-dessus. Moi, jamais de la vie, je pensais à faire un jeûne ou à, ben non, ou à me purger. C'est juste qu'en fait, au bout d'un moment, t'es trop encombré en fait. Parce que l'homme, avec les conclusions qu'on a eues ces derniers mois, on se rend compte que l'homme n'est pas fait pour consommer autant de cellulose. Et ça, on l'a vécu à l'intérieur de notre corps. Donc moi, j'ai fait pas mal de jeûnes. Hein. J'avais fait des vidéos d'ailleurs. Et c'est vrai qu'au début, on se sent bien, on fait des jeûnes, waouh, ça fait du bien, léger. On se sent léger. Bah ouais, on a de la vitalité en fait. La vitalité est encore là parce qu'on s'est construit, comme je le disais au début, on s'est construit avec des éléments qui sont indispensables. Donc la vitalité est là, l'énergie est là, la flamme est encore allumée. Mais plus on va se lancer dans ces modes alimentaires, plus on va arrêter de se nourrir parce qu'un corps, il est fait pour avoir un cycle, pour avoir de la nourriture. Bien sûr, le jeûne, c'est génial, une fois ou deux dans l'année, un petit jeûne, mais vivre en jeûnant, c'est juste. Mais je pense que le jeûne, il est très bien quand on est plein de vitalité. Ouais. Voilà, on a une alimentation qui est clean, on est plein de vitalité, on mange bien, etc. On veut faire un petit stop de temps en temps. Voilà, ça peut être vraiment super bénéfique. Mais il faut que ce soit contrôlé. Il ne faut pas que ce soit non plus que ça devienne un truc. Voilà. Et il ne faut pas s'amuser non plus à jeûner, surtout si on est une femme et qu'on a des problèmes du trouble du comportement alimentaire. Ouais. Donc, il ne faut pas se lancer là-dedans. Ah bah, vous êtes une femme, vous voulez prendre du poids. Jeûner. Voilà, c'est parce qu'il faut comprendre aussi que le jeûne, bah, on perd du poids, mais on perd énormément de muscles et après quand on reprend après le jeûne, on reprend le gras. Ouais. Donc là, c'est opération blanche et voire même voire pire parce que là, du coup, bah, on a perdu les muscles et on a pris du gras. Et à chaque fois, bah, à chaque jeûne, ça va être un petit peu la même chose. On va s'affaiblir au niveau musculaire et on va reprendre, quand on va reprendre derrière du gras, c'est normal, le corps, il aime pas être en restriction. Donc vraiment, des petits jeûnes, moi, ce que j'aime bien à la limite, en période où on veut vraiment faire un repos digestif, où on a envie, où on... c'est de faire des jeûnes intermittents, c'est-à-dire de manger presque son quota calorique dans la journée et de sauter un repas, soit le petit déjeuner, toi tu serais plus en tant que cueilleur, à sauter le petit déjeuner. Moi en tant que chasseur, je ne peux pas sauter le petit déjeuner, je serais plus apte à sauter le dîner. Donc voilà, sauter un repas ou le petit-déj ou le dîner, mais quand même manger au repas principaux notre quota calorique pour éviter justement une fonte musculaire, surtout quand on est un sportif, qu'on a une masse musculaire qu'on veut conserver. C'est bien de faire, de sauter un repas, mais pas de le faire tout le temps non plus. Voilà, c'est bien de le faire une fois de temps en temps, ça peut faire un petit repos digestif. Et après, pourquoi pas, si on se sent bien comme ça, si on est vraiment à l'écoute et qu'on ressent vraiment les bénéfices, pourquoi pas le faire après une semaine par mois, je ne sais rien, ou quelques jours, ou alors bah, à l'année, pour les personnes que ça peut, à qui ça peut fonctionner. Ensuite, on a eu ce côté aussi, on se trouve que c'est une erreur qu'on a fait, c'est de vouloir manger, de faire un petit peu une religion d'alimentation et de vouloir manger trop strict. Il y a eu une période où on n'allait plus au restaurant, on n'allait plus manger dans la famille. Quand on allait manger dans la famille, on cassait les pieds à tout le monde. Non, puis on lisait on toutes les étiquettes. Sociales, on lisait toutes les étiquettes. On voulait que du bio. C'est pas bio, on mangeait pas. Voilà, ouais, ça devenait trop. Ouais. Trop. Et on se rendait compte qu'on se prenait trop la tête avec ça. On vivait plus en fait. Et puis à force d'être dans le contrôle, la joie, elle disparaît. Il n'y a plus de joie. Et puis même au sein de notre couple et tout, voilà, il y a quelque chose qui se crée où on est trop rigide en fait. Du coup, on a lâché du lait sur plein de choses. On a nos petites règles en fait qui sont là, mais qui sont pas
Ça va, on arrive. Ils sont pas figés. Non, voilà. Ouais. Mais après, maintenant, je sais que moi, j'achète plus bio. On n'achète voilà. plus tout bio. On ouais, achète. On est beaucoup moins. Plein de trucs que j'achète pas bio, des trucs qui sont pas graves. Enfin, je veux dire, je m'en porte pas plus mal. Étant donné qu'on est quand même hyper à l'écoute de notre corps et qu'on voit les petites choses qui vont pas. De toute façon, nous, c'est facile. Hein. Si on le mange, ça va pas. Ok, ah on ouais, met de côté direct, hein. et on se dit bon bah celui-là, c'est terminé, je le mange plus. Ouais. Mais nous, on n'a pas vu vraiment une différence si on manger bio ou pas bio. On fait attention quand même à la qualité des aliments qu'on va manger. On est plus sur la qualité et l'origine en fait, d'où vient le produit. Le label, forcément. J'évite que ça vienne d'Espagne quand même, bio ou pas bio hein, de toute façon. Et puis je vais aller plus vers des maraîchers, voilà, et je m'en fiche si il y a le label bio ou pas. Moi, du temps que le légume ou le fruit il est bon et qu'il m'apporte ce qu'il doit m'apporter, voilà. Voilà, les œufs de la voisine, il n'y a pas marqué bio dessus, pourtant c'est meilleur que si on les achetait au bio, on s'en voilà. fout. Donc il y a plein de choses comme ça et on est vraiment sorti de tout ça et voilà, on est dans le ressenti. Est-ce que je mange cet aliment, ça me donne de l'énergie, j'ai un bon transit, j'ai pas de ballonnement, bon bah ok, je me sens voilà. bien. Ensuite, tout ce qui est cuisson, on a été dans le cru. Alors, quand on est dans le cru, on mange un aliment cuit, c'est la fin du monde, hein, attention. dans l'extrême. Il y a la police du cru. La police du cru est là, c'est exactement Cruella ça. Cruella t'as mangé cuit, mais tu vas mourir demain. Ouais. Et les molécules Malaya, voilà. les molécules de Malaya, tu y penses. Ça, vraiment, maintenant, on s'en fout. Oui, mais on a eu une période où on a encore voulu faire du cuit à la vapeur, etc. Puis ça en laisse aller encore pas quoi, c'est voilà, c'est... C'était trop healthy encore, c'était trop... Donc maintenant on cuit à la cocotte, on cuit au four, on cuit en papillote... On peut manger du cru, du mi-cuit, enfin, voilà, on a vraiment... Ça fait un peu de temps quand même qu'on se prend plus la tête oui, avec ça. Oui, ça fait un moment. Mais voilà, si vous voulez vraiment avoir une alimentation équilibrée, la cuisson ça en fait partie. Et du coup, il faudra aussi avoir une cuisson équilibrée et pas se restreindre à du cuit vapeur insipide qui n'a pas de goût ou des petites salades crues. Voilà, on va vraiment étendre le champ des possibles. Non, il y a plein de choses. On peut vraiment se faire plaisir avec l'alimentation, mais c'est ça. En fait, faut pas être cantonné à un truc et dire non, je fais comme ça, je viens, ouais. viens. Non, voilà, un jour j'ai envie de cuire en cocotte, faire un plat mijoté, bah, je le fais. Le lendemain. Non, je veux une paella. Voilà, faut pas se prendre la tête. Et le dernier, d'ailleurs, on rejoint ça, c'est que si on devait. Résumer tout ça, c'est qu'on a voulu trop écouter. Voilà, on a les conseils de l'un, de l'autre, ouais. de machin, qu'est-ce qu'il dit, lui. Les livres, parce qu'on a eu, on a lu plein de livres, on a regardé plein de vidéos, on a suivi plein de formations, et à chaque fois, en fait, plus on va avoir d'informations, plus ça va te perdre dans l'alimentation. Pourquoi ? Parce qu'on va être dans l'intellect et puis dans le ressenti. Alors que ça doit être la base, c'est je suis dans le ressenti et après ça vient du ressenti dans le cerveau, ok, j'ai des gaz, j'ai des fermentations, j'ai des ballonnements, j'ai des douleurs articulaires, je suis fatigué, qu'est-ce qui m'a fait ça? Et là, l'information elle remonte, c'est pas je vais manger ça pour pas avoir de, et en fait j'en ai quand même des désagréments et on se perd. Non, tout doit venir du ressenti. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a beaucoup de mal aujourd'hui dans la structure de la société. Ça ne fonctionne pas comme ça. On va tout le temps chercher les solutions à l'extérieur, alors que les solutions, elles sont à l'intérieur. On va chercher le plan alimentaire parfait, on va chercher le médicament parfait, l'huile essentielle magique, etc., etc. Mais ça n'existe pas. Ouais. Mais voilà. ça fait partie des erreurs qu'on a faites aussi. C'était de vouloir trouver le complément alimentaire qui allait... C'est ça que j'ai comme problème. Bon, bah, je prends le truc Internet. Pour les surrénales et les machins, ça va aller mieux. Je vais pas aux toilettes. Bon, bah, on va prendre le balai intestinal, ça va soigner tous mes problèmes. Ouais. Essaie encore. Franchement, des compléments alimentaires, on n'en prend plus depuis au moins un an. Je ne veux plus en entendre parler. Moi, je lui ai dit maintenant, je veux plus de compléments alimentaires à la maison, c'est terminé. Voilà, t'as un problème, t'essayes de le résoudre avec l'alimentation ou en gérant ton stress, j'en sais rien. Mais c'est pas le produit miracle qu'on va amener dans une gélule qui va soigner notre problème. Voilà. Il peut y avoir vraiment des cas d'urgence, j'entends. Hein, on va pas être contre les médicaments ou contre les compléments alimentaires, mais il faut pas que ce soit tout le temps des béquilles, parce que moi, il y a des personnes que j'accompagne qui ont plein de problèmes de santé et qui ont plein de compléments alimentaires. Je lui dis, mais franchement, ça fait quelque chose depuis que tu les prends? Non, ça fait rien. Bon, ben voilà, tu les prends, tu l'arrêtes et puis on va essayer de travailler sur ton profil, sur ton plan alimentaire, qu'est-ce qui te convient à toi, parce que s'il y a autant de problèmes digestifs, et ça je vais en parler dans une vidéo parce que c'est vraiment le cœur du sujet,
Moi, je vois que quand je travaillais en pharmacie, ce que je vendais le plus, c'était des produits pour la sphère digestive, en fait. Ouais. C'était des suppos à la glycérine, du Mopral pour l'estomac, parce que j'ai l'estomac qui brûle, le truc pour le pansement gastrique, constipation, diarrhée, reflux. Il y avait que ça, c'était énorme ce que je vendais. Et le Spasfon parce que j'ai mal au ventre, et le truc parce que j'ai le ventre gonflé. Les probiotiques et les machins. Non, mais c'était dingue ce que je faisais. Ultra-levure. Et le Smecta, et le lactulose, et machin. Mais voilà, les gens ils repartaient avec des sacs entiers, mais à un moment donné, tu t'es pas posé et t'as pas réfléchi un petit peu sur ton alimentation. Bon, après, je peux pas juger parce que moi aussi j'ai été pareil, hein, j'ai été malade pendant des années, et jusqu'à ce que moi, en fait, je fasse cette démarche et que je m'aperçoive que l'alimentation, bah, c'était vraiment le problème premier, en fait, qui a fait que bah, ça allait mieux. Je pense honnêtement, hein, honnêtement, je pense que tout peut se soigner avec l'alimentation. Tout. Normalement, tout peut se soigner avec l'alimentation, sauf si vraiment c'est des cas extrêmes et qu'on a été trop loin. Oui, bien sûr, mais la base venait de l'alimentation et il y a aussi tout ce qui est émotionnel. Ah bah bien sûr. Le stress et tout ça, voilà. Mais si on vit dans un environnement quand même sain, mais qu'on mange mal, le gros des problèmes vient de là. Au final, un corps, il fonctionne normalement super bien. Et de la même façon, hein, si tu manges ultra sain et que tu es dans un environnement stressant toute la journée, ton alimentation, elle sera pas bonne. Hein. Voilà, ton corps, il va transformer les aliments en poison quelque part parce que tu es tellement pas bien et stressé. Et voilà, ouais, vaut mieux pas manger à la limite que manger en étant hyper stressé et pas bien. Donc ouais, c'est vraiment la conclusion qu'on pourrait mettre par rapport à tout ça. C'est ça, c'est que... et les gens aussi... Qui se tournent vers nous, souvent sont encore trop dans la structure, trop dans cette structure, et veulent absolument des plans alimentaires parfaits, miracle. Et nous, dans les formations, on le dit, mais il n'y a pas de plan alimentaire parfait ou miracle. Nous, ce qu'on fait dans les formations, c'est qu'on apprend aux gens à s'écouter. Voilà. On vous donne des tuyaux pour vous écouter. Mais il y a qui aujourd'hui mieux peut se même. Vanter de donner des conseils généraux en alimentation. Qui a la capacité de vous dire « mange ça, c'est bon pour toi ». Personne. C'est pas possible. Il n'y a que toi qui peux le savoir, ça c'est clair. En accompagnement, il y a des personnes, il faut plus de 3 mois pour arriver à trouver le plan alimentaire. Mais c'est en travaillant à deux, en testant, en écoutant son corps, qu'on arrive à deux, en binôme comme ça, à travailler sur le plan alimentaire. Seul, j'entends bien, hein, seul, c'est vraiment pas évident, surtout quand on n'est pas accompagné et qu'on n'y connaît pas du tout. Mais quand on s'y connaît pas du tout en alimentation, c'est vraiment pas évident. Mais on peut essayer quand même de faire des petits tests, des petits essais, etc. Et après, si vraiment vous avez du mal et que ça va pas, il faut pas hésiter en fait à demander de l'aide à ce moment-là. Hein. C'est comme tout, hein, je veux dire, t'as un problème avec ton lavabo, t'appelles un plombier et puis ça va. Oui, voilà, ça va aller beaucoup. En fait, c'est que ça va aller beaucoup plus vite. Ouais. Voilà, à partir du moment où moi je vais réparer mon évier, je sais que moi je suis pas capable de le faire, ça va me prendre peut-être la journée entière, alors que si bah, j'avais payé quelqu'un pour le faire, il aurait mis 1 heure et puis c'est terminé. Moi, mon travail à moi, il était pas fait pendant le temps que j'essayais de réparer mon truc. Enfin, voilà. Ouais. Donc il faut aussi ne pas hésiter à demander de l'aide autour de nous. Nous, c'est ce qu'on a fait aussi, hein. On a demandé de l'aide aussi. Et puis, ce qui est bien, c'est que quand on est en couple, on peut s'entraider aussi parce que voilà, on peut dire ah bah tiens, c'est peut-être ça. Qu'est-ce que tu penses de ça et ça, et voilà, parce que on a toujours le reflet en fait en face. Et puis toi, t'as tes sensations, moi j'ai les miennes et on peut se les retranscrire. À part qu'on n'a pas le même morphotype, on n'a pas le même tempérament et donc du coup bah il y a des choses sur lesquelles moi je vais réagir et toi non. Donc voilà, c'est aussi intéressant. C'est là que c'est beau parce que tout le monde est différent. Et ouais, parce qu'on est tous différents. Donc voilà pour nos petites erreurs, voilà. On en a fait plein et surtout on espère que ça vous aidera à peut-être pas les faire. Nous c'est vrai que maintenant on est dans cet équilibre, on a un plus ou moins trouvé, ça prend du temps, c'est aussi pour vous montrer tout ça. Ça le cheminement il est long. C'est long, ok, d'accord, c'est long de trouver vraiment cette perfection. N'ayez pas peur hein, d'être amnésique de l'alimentation, hein. C'est pas parce que vous voyez, les gens ils disent mais t'es amnésique de l'alimentation, un jour tu manges ça, le lendemain tu le manges plus, ben oui parce que j'essaye de trouver ce qui me va, voilà. Donc après une fois que vous avez trouvé, c'est sûr que là au moins on est tranquille. Et puis même, je veux dire, on est tout le temps en train de changer, demain tu fais plus de sport, là c'est l'hiver, on mange différemment.
On est tout le temps en train de changer. En fait, je pense que ce qui perd vraiment les gens et ce qui peut te perdre peut-être, c'est de rester figé dans un truc ou rigide dans un truc. Quoi, tu manges plus ça le matin? Pourquoi tu manges plus ta crêpe le matin? Parce que j'ai plus envie là. Mon corps, il m'a dit la dernière fois que c'était bon pour toi. Pourquoi t'as arrêté? Moi, ça fait un mois que je fais les mêmes crêpes. Et maintenant, je vais manger quoi? Tu les manges plus tes crêpes? Qu'est-ce que tu manges maintenant? Et qu'est-ce que tu fais? Non mais. Vraiment, toi, t'as envie de rigole, hein. Mais écoutez-vous, vraiment, du fond du cœur, c'est ce qui vous permettra de trouver des solutions et de vous sentir mieux. C'est vraiment. Bon, moi je veux savoir en dessous, mettez-moi s'il vous plaît vos expériences, vos erreurs, vos pires erreurs. Allez, je veux tout savoir. On dit tout et puis voilà. Allez, on se lâche, hein. On vide le sac et on nous raconte tout. Hein. Bon, allez, nous on vous laisse. On va aller miam miam parce qu'on va aller manger. Et on vous fait plein de gros bisous. Ciao. Ciao. Salut.